todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. Y no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Oh, y todo lo daría tan solo por un beso, y todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. No encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Vite, il faut appeler les secours. Une ambulance, il faut appeler une ambulance. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Bon sang, ça doit être super grave. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quoi? Sébastien! Sébastien! Sébastien, mon pote, ça va? Sébastien! Ma couille! Calmez-vous, monsieur. Sébastien. L'ambulance va arriver. Monsieur, est-ce que vous le connaissez? Mais oui, je connais, monsieur. Sébastien, ne t'en fais pas. L'ambulance arrive, t'as entendu? Vous êtes sûr, docteur Gabriel? Il ne peut pas y avoir eu une erreur au laboratoire. Je ne suis pas vraiment enceinte. Chari, Chari, le sang ne ment pas. Et ton sang dit que tu es enceinte. Je m'en doutais, Chari. C'est pour ça que j'ai tant insisté pour qu'elle vienne. Je savais que ces douleurs n'étaient pas d'origine gastrique. En fait, ce n'est pas ça. Tu vas parfaitement bien. Il faut juste que tu ailles voir un gynécologue pour qu'il suive ta grossesse et le développement du bébé. Je vais te donner le nom d'une gynécologue. Oh mon Dieu, je suis enceinte! Margarita, je vais avoir un enfant de Sébastien! Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette ambulance? Elle n'arrive pas! Seb, Seb, mon pote, tiens bon, t'en fais pas. Je suis ici avec toi, je vais pas te laisser mourir, mon pote, tu m'entends? Mais qu'est-ce qu'elle fout, cette ambulance, mon Dieu? Arturo, Arturo, qu'est-ce qui s'est passé? Seba, Seba, qu'est-ce qu'il a? Oh, dis-moi qu'il n'est pas mort. C'est un accident. Dis-moi c'est qu'il n'est pas mort. Il va très mal, il va très mal. Comment ça s'est passé? C'est incroyable. Chari, écoute, ce serait mieux qu'on aille chez le gynéco aujourd'hui. Comme ça, on ferait d'une pierre deux coups. T'en dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal à nouveau? Ma peau. Mal, c'est peu dire, Margarita. Pour tout te dire, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Quoi? Tomber enceinte? Chari, mon Dieu, n'importe quelle femme qui a des relations sexuelles et qui ne se protège pas, le plus probable, c'est qu'elle tombe enceinte. Et apparemment, ben, vous deux, vous ne vous êtes pas protégés. Non, tu as raison, Margarita. Et je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir un enfant. Parce que pour moi, c'est la bénédiction la plus belle que Dieu puisse me donner. Et d'autant plus qu'il est de Sébastien, parce que... C'est quoi? Ben, parce qu'un enfant, de Sébastien, c'est la plus belle preuve d'amour que nous ayons. Oui, ben oui, je... Mais...
mais c'est que tous les enfants ont le droit de connaître leur père, Margarita. Et mon fils ne va pas connaître le sien parce que Sébastien est parti et il ne reviendra jamais. Oui, ben oui, Charlie, mais quel est le problème alors? Qu'il ne connaîtra pas son père. Mon fils ne connaîtra pas Sébastien. Mais Sébastien n'est pas mort, il ne va pas mourir, ok? Tu as entendu mon pote? T'as entendu? Alors tiens le coup, sois courageux. Mon Dieu, Paula n'est pas au courant. Faut que j'appelle ma cousine, là, tout non, de suite. Non, Sophia, on l'appellera quand on sera à la clinique. Et s'il s'en sort pas, hein? Si Sébastien meurt... Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Oh, il va s'en sortir. Voilà l'ambulance, je l'entends. T'en fais pas, mon pote, t'inquiète pas. Oh, c'est pas... L'ambulance est là. Quelqu'un connaît la victime? Ouais, on est des amis. S'il vous plaît, emmenez-le à l'Institut Gabaldon Léal. Ce jeune homme a une assurance? C'est quoi cette question, enfin? C'est le fils du directeur. Emmenez-le, oui, écoutez, s'il vous plaît. On l'attend là-bas, je vous en prie, emmenez-le là-bas, vite. Maman, calme-toi, Sophia. Ça va aller maintenant. Calme-toi. Ok. Calme-toi. 1, 2, 3. Séba, Arturo, je veux pas qu'il meure. Oh, c'est affreux. C'est bon. Tu t'es fait plaisir en me voyant derrière les barreaux, alors... Pourquoi tu es encore là? C'est que... J'ai besoin de graver dans ma mémoire ce souvenir, cette image, et de ne jamais l'oublier. Et toi aussi, n'oublie pas. Cela te pendait au nez depuis le premier jour où tu as jeté ton dévolu sur mon homme. Non, Baniba. Ce n'est pas vrai. Roquet et moi... Roquet et toi, rien. Espèce de criminel. Attends un peu. Ici, personne ne crie. Ici, Nicky. On parle tout bas, ok? Nicky. Quelle baisse d'un Nicky, temps. C'est bon. Quelle baisse d'un temps. C'est bon, ne t'en fais pas, s'il te plaît. Je ne suis absolument pas une criminelle. Eh oui, oui. C'est vrai que je ne peux pas le prouver. Mais tu sais quoi? Très bientôt, je vais pouvoir vous prouver à tous, vous prouver que vous vous trompez. Ben tu vois, ce n'est pas près d'arriver, ma pauvre. Tu n'es pas prête de sortir d'ici, je te le dis. Et quand enfin tu sortiras, tu seras une petite vieille. Tu en as pris pour beaucoup, beaucoup d'années. Ah oui? Mais alors, si tu en es si sûre, de quoi est-ce que tu as peur? Tu ne devrais pas, hein? Et pour Roquet, ne t'en fais pas. Parce que lui aussi, il pense que je suis coupable. Et tu sais, il m'a dit en face qu'il ne voulait plus jamais entendre parler de moi. Je suis venu pour discuter avec ce type, Emma. Salut, mon pote. Salut. Comment ça va? Ça va. J'arrive de là-bas, de l'autre côté du fleuve, parce que j'ai changé d'avis au sujet de ta proposition. Ouais, t'es armé? Non. Pourquoi je serais armé alors que je viens demander du travail? Je viens offrir mes modestes services à monsieur Attilio Bayonne, c'est tout. Pas encore pour l'instant. Mais tous ceux qui travaillent pour monsieur Attilio doivent être armés. Bah s'il faut, je le serai. Suis-moi, je te conduis au chef. Je te suis, alors. Allons-y. Bon, papa, mais reconnais-le. Si Sébastien a décidé de rentrer, il y a bien une raison, hein? Alors pourquoi lui couper les vivres? Pourquoi? C'est simple, comme ça je l'empêche de repartir, c'est tout simple. En plus, je ne suis pas sûr qu'il soit de retour, parce qu'avec Sébastien, on ne sait jamais. Papa, mais arrête un peu, hein. Donne-lui une chance. Sébastien est encore jeune, il est dans une phase. Il apprendra avec ses erreurs, on est tous passés par là. Toi aussi, tu es passé par là, n'est-ce pas? Tu as raison, en quelque sorte c'est la vérité, mais ça ne le dispense pas de recevoir une punition pour ce qu'il a fait. Les portes de la maison doivent lui rester toujours ouvertes, mais je dois lui apprendre au bout du compte à ne pas désobéir à son père. Est-ce que c'est moi, monsieur Caillot? Il y a un appel d'Arturo Fretes. Ah, por Dieu! Mais quelle manie ont les gens de me gâcher toujours mon petit déjeuner. Dis-lui que je le verrai au bureau dans une heure. Non, monsieur Caillot, il dit que c'est urgent, il avait l'air nerveux, ça a l'air vraiment important. Bien le bonjour, tout le monde! Bonjour, Juancho. Bonjour. Assieds-toi. Bonjour. Bonjour. Passe, Mathilde. Ça a l'air bon. Tu as faim? Bien sûr. Allô, Arturo? Non, c'est Reynaldo. Comment ça?
Oui, Reynaldo, tu as bien entendu. Sébastien a eu un accident juste avant d'arriver à Caracas. On vient de le transférer à la clinique. Mais dis-moi comment c'est arrivé. Comment ça s'est passé, Arturo? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne l'as pas vu, Arturo? D'accord, c'est bon. On se met en route tout de suite. On arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Sébastien a eu un accident de moto et il est à la clinique. Oh mon Dieu, c'est pas vrai! Il va bien? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Allons-y. On va le rappeler sur la route. Allons-y. Oh mon Dieu! Pour le moment, sa tension est élevée. Il a une double fracture du tibia et du péroné. C'est grave, on a intérêt à faire vite. Sa blessure au crâne ressemble à une contusion ou à un traumatisme crânien? Charry, le docteur t'a donné un traitement complet de vitamines et d'acide folique. Oui, tant mieux. Tant mieux, parce que je vais garder l'argent qu'il me reste. Tu t'imagines la tête de ton père quand il va apprendre qu'il va être grand-père? Mon père? Non, Margarita, mon père ne doit pas le savoir. Mais enfin, Charry, tu ne vas pas continuer à mentir. Ce n'est pas comme si tout allait bien. D'abord, tu caches à Sébastien que tu as des malaises. Maintenant, tu ne veux rien dire à ton père. Franchement, Charry, je ne te comprends pas. Je ne comprends pas parce que tu ne veux pas, Margarita. Écoute, cet enfant est à moi, non? C'est mon problème. Alors je vais m'en sortir toute seule, sans l'aide de personne. Ah non, Charry, pas sans l'aide de personne. Tu sais bien que tu peux compter sur moi. Et encore plus maintenant qu'on va être maman, parce que ce petit bout de chou, ça va être mon fief, n'est-ce pas? Tu as entendu, bébé? Tu as déjà une marraine. Tu en as de la chance, toi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Poussez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est une urgence. Traumatisme multiple. Un accident de la route, traumatisme multiple. On y va. Par ici. Du calme, les gars, du calme. Allez, on y va. Bouillez-vous, les gars. Allez. Allez, les gars, allez, on va le poser. Allez, on le bascule. 1, 2, 3. Du calme, mon garçon, du calme. Comment sont les signes vitaux, Julie? Ils sont stables. Ah, te voilà. Accident de la route, traumatisme. Sébastien, mais donnez-moi le bilan, s'il vous plaît, Julie. Tiens, emporte ça vite pour qu'on lui fasse passer des analyses. Du calme, mon garçon, du calme. Sébastien. Paola, tu as une tête de lendemain de fête pas croyable. Tu as bu toute l'eau de la piscine ou quoi? Aïe, ma chère, ne crie pas, j'ai mal à la tête. Mais je ne crie pas, c'est ce foutu portable qui n'arrête pas de sonner et tu ne réponds pas. Non, ma chère. Aujourd'hui, je ne suis là pour personne. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un massage, d'un gommage, je ne sais pas, un sauna et bien. beaucoup de calme et de tranquillité. Et ça ira mieux. Oui, bon, n'ajoute rien. Allez, Véronique, ouais. Attends. Je prends je ton portable. Je suis au bout du rouleau. Encore le répondeur. Allô, Paola, c'est Sophia. Écoute, rappelle-moi dès que tu écoutes ce message. C'est très urgent. Sébastien a eu un accident. On est à la clinique. S'il te plaît, rappelle-moi très vite. Sophia, ça va. Calme-toi, ok hein? S'il te plaît, tu me rends nerveux. Écoute, ils sont en train de s'occuper de Sébastien. On va attendre qu'ils nous donnent des nouvelles. Arturo, le pauvre petit. Il venait sûrement pour se réconcilier avec Paola. Comme la vie est injuste. Allez, du calme, ok? Tiens, au fait, dis-moi. Pourquoi Paola a dit hier qu'elle avait vaincu la paysanne de manière intelligente? Qu'est-ce que j'en sais? C'est pas le moment, Arturo, s'il te plaît. Arrête avec tes idioties, tu es ridicule. Excusez-moi de vous déranger. Dis-moi. Je vous amène quelqu'un qui voudrait travailler pour vous. C'est lui, là. Excusez-vous de déranger. Voilà. Je te connais? Non, on va dire non, je crois pas, non. Mais tu me connais, pas vrai? Oui, bien sûr. Qui est-ce qui ne connaît pas dans cette région le tout-puissant Attilio Bayonne, hein? Bouge-toi. Si tu me connais, tu dois savoir que c'est osé de venir me proposer tes services comme ça. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites un poste, hein? Parce que je vais avoir ta peau et celle de ton associé Caio Gabaldone. Monsieur Attilio, c'est parce que je suis de ceux qui pensent que quelqu'un d'intelligent comme vous doit s'entourer de tout un tas de gens intelligents. Vous ne croyez pas, hein?
J'espère que tu as compris qu'on ne pique pas les mecs des autres. Et pendant que tu es en train de pourrir dans ta prison, Maria Ruiz, souviens-toi que je suis avec Roque. Parce que Roque est à moi. À moi. À moi. Ah, bon, ça va, ça va, ça va, c'est fini. Écoute, ici, la gentille, c'est elle, pas moi. Alors, petite mère, va voir ailleurs si j'y suis. Parce que tu m'empêches de dormir. Et tu commences à m'énerver, compris? On se revoit dans 30 ans, Maria. Continue à profiter de ta prison. Hey, toi, ouvre-moi. Moi, je suis libre. C'est qui cette... Garde! J'arrive. T'as fini, hein? Allez, ma pote, réagis. Ma pote, arrête de pleurnicher, Maria. S'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi tranquille, hein. Laisse-moi tranquille. Écoute, cette conne, cette garce avec sa tête de poufiasse, arrive à te foutre en l'air. Et elle vient jusqu'ici dans la prison. Me dis pas que je t'avais pas prévenu. Voilà, c'est rangé. C'était vraiment délicieux. La prochaine fois, c'est chez moi. Ok, ok. C'est sûr. Au fait, tu vas à la clinique aujourd'hui? Oui, oui, oui. Bon, moi j'y vais. Allô? Attends, c'est Reynaldo. Allô? Bonjour, mon amour. Comment ça va? Tu as bien dormi? Quoi? C'est une blague. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, un accident? Qui ça? Mais, est-ce que c'est grave? Tu me rattrapes? Oui, j'arrive. Non, on ne sait rien pour l'instant. On vient d'arriver à la clinique. Mais ne t'inquiète pas, d'accord? Ne t'en fais pas. Dès que je sais quelque chose, je t'appelle. D'accord, c'est bon. Mais tiens-moi au courant, hein. S'il te plaît, je suis vraiment très inquiète. D'accord, j'attends ton appel. Je t'embrasse. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Valeria? Oh, Corinna, Sébastien a eu un accident. Quoi? Comment il va? Eh bien, je ne sais pas. Il arrive tout juste à la clinique. Ils ne savent rien pour l'instant. Je vais à la clinique. D'accord, mais attends-moi, je viens avec toi. Non, tu ne viens pas avec moi, attends-moi. Valeria. Attends-moi, je vais chercher mon sac à main. Il est en haut. J'arrive tout de suite, d'accord? Fais vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a eu un accident, bon sang? Allez, dis-le-moi! Je veux savoir! Mais calmez-vous, mon père! Apparemment, Sébastien est revenu de la jungle en moto, il Qu'est-ce a eu un accident! Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il arrivait à Caracas, il serait tombé avec sa moto sur l'autoroute! Oh, mon Dieu! Encore un accident! Encore une tragédie! C'est grave! Caio est au courant! Bien entendu! Il est parti avec Reynaldo et Juancho à la clinique! Tout ça, c'est de sa faute! De son égoïsme et de la pression qu'il met. Mon Dieu, une flotte d'avions. Et ce garçon qui risque sa vie sur une moto. Mais si jamais Sébastien mourait... Dieu ne le permettra pas, mon père. Ce sera de sa faute. Tu as vu comment tu réagis, hein? Oh, je ne sais pas, Chari. C'est que ça ne me plaît pas du tout. Que vas-tu faire ici toute seule? Et enceinte en plus. C'est chez moi, Margarita. Ne sois pas ridicule, Chari. Installe-toi dans n'importe quoi, avec quatre murs et un toit en zinc. Mais que ce soit au village. C'est tout, pas ici, dans ce désert. Ah, Margarita, c'est ma maison. C'est la maison que Sébastien a laissée à son enfant sans le savoir. Ici, il y a toujours sa chaleur, le son de son rire. Et c'est ça que je veux garder. Les souvenirs des moments les plus beaux qu'on ait vécu ensemble. Pour les transmettre à mon fils. S'il t'arrive quelque chose, et si tu as des contractions, que vas-tu faire? Dis-moi. Ne t'en fais pas, Margarita. Je ne suis pas seule. Maintenant, j'ai mon bébé. Et il m'a moi. Tous les deux, on va prendre soin l'un de l'autre. Alors ne t'en fais pas, ma reine. Tu ne vas pas commencer à être possessive, hein? Véronica, tu te charges du spa. Il faut que j'aille à la clinique Gabaldon. Sébastien a eu un accident et on dirait que c'est très grave. Je te confie le spa. Ce n'est pas vrai, le pauvre. Oui, tu te rends compte? Malheureusement, il pourrait avoir des séquelles psychomotrices.
Oui, il y a une lésion ici. Oui, je sais. Ouais, ouais. Tous les examens ont été faits, docteur. Merci. Je vous laisse. Au moins, nous avons réussi à le stabiliser, Caio. Maintenant, il faut attendre. Pourquoi tu ne lui parles pas, papa? Pourquoi tu ne lui dis pas que tu l'aimes? Il a besoin d'entendre ça pour réagir. Vous allez sauver mon fils. C'est un ordre. On a des nouvelles non, de Sébastien? Non, c'est toujours rien. Reynaldo et Juancho sont avec lui. Reynaldo, tu as eu des nouvelles de Sébastien? Il est stable. Ah. Ses signes vitaux sont bons, mais il est toujours inconscient. Il faut prier pour qu'il se rétablisse vite. Bonjour, ma belle. Non, ne me dis pas que ce sang, c'est celui de Sébastien. Où est Sébastien? Hein? Ne t'en fais pas, ma fille. Reprends soin de lui. Non, Juancho. Toi, dis-moi, où est Sébastien? Où est-il? Je veux le voir. Calme-toi. Sébastien! Calme-toi. 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 Si je dois aller chercher cette fille pour que mon fils se réveille, je le ferai. Je jure que je le ferai. Bon, papa, j'ai parlé avec le traumatologue et avec le radiologue. Ils n'ont trouvé aucune fracture. J'ai quand même donné la radio à un spécialiste, pour qu'il s'assure bien que toute lésion cérébrale est bien écartée. Tiens-moi au courant de tout. Papa, je sais ce que tu ressens. Mais tu dois agir avec plus de douceur, papa. Tu es si distant. Tu es trop dur avec toi-même. Et aussi avec Sébastien. Ce n'est pas facile de voir son fils dans cet état et de ne pas se sentir coupable et de ne pas avoir pu l'empêcher d'aller dans cette jungle retrouver cette fille, cette gamine. Il est beau le résultat. Papa, Sébastien est stable, hein? On doit être un peu patient, attendre qu'il se remette du choc et qu'il se réveille. Et s'il ne se réveille pas? Il va se réveiller, papa. Bien sûr qu'il va se réveiller. Ce n'est pas toi qui décides. Sébastien ne t'a pas désobéi. Non, il a juste choisi sa vie. Tout le monde a le droit de le faire, c'est tout. C'est comme ça. Papa, on ne peut pas vivre en contrôlant autant les autres. Tu le sais bien. C'est un homme. Quand ta mère est morte... J'ai juré qu'aucun de mes enfants n'allait mourir avant moi. Que vous seriez tous des hommes bien. Et si Sébastien sort de ce lit tout de suite, je le gronderai comme il le mérite, parce que ça... Ça n'aurait jamais dû arriver. Jamais. J'aime tellement cet abruti. Papa, alors vas-y, dis-le-lui. Ne garde pas ça. Dis-le-lui, papa. Tu vois, tu voulais lui donner une leçon et... Finalement, c'est lui qui t'en donne une. Tu devrais apprendre à pardonner, papa. Et je suis sûr que c'est le moment. Allez, papa. Marouja, pardon, je ne t'avais pas vue. Valeria est enceinte, elle attend mon enfant. Ça va? Tu te sens mal? Bon, j'imagine que c'est à cause de Sébastien. Ma question est stupide. Tout ça est vraiment horrible. Aussi horrible que ce que tu as fait à Anna Julia.
Hé, Maruja, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me traites comme ça? Je n'ai qu'une chose à te dire. J'espère seulement que l'esprit de ma sœur me donnera la force de te pardonner avant que ce bébé ne vienne au monde, ok? Maruja. Horrible, Paula, tu ne t'imagines même pas. J'allais à l'université et tout d'un coup, j'ai vu Arturo au sol avec Sébastien plein de sang, comme s'il était mort au milieu de l'autoroute. Parle-moi les détails, Sophia, tu ne vois pas que je suis au bord de la crise de nerfs? Vous devriez vous calmer. Sébastien va s'en sortir, voyons. C'est que si j'étais allée à l'université, peut-être que je serais arrivée avant l'accident et qu'il ne serait rien arrivé. Ah, mais c'est arrivé plus tôt, Paola. En plus, pourquoi tu nous as fait ce numéro à la noix hier soir, hein? Docteur Greca, comment va-t-il? Bien, on a réussi à le stabiliser, ma chérie. Mais il ne s'est pas réveillé. Alors on va lui faire une autre série d'examens et on va attendre quelques heures, ce qui nous permettra de voir s'il reprend connaissance. Ça veut dire qu'il va pas mourir alors? Sophia, bon sang, on vient de te dire qu'il est stable. Rebecca, je peux le voir moi? S'il te plaît, même une toute petite seconde, je t'en prie, s'il te plaît. Je veux le voir, j'ai besoin de le voir. À toi, quand tu vas sortir, on va s'amuser, hein. C'est pas juste. Personne ne nous rend visite à nous. Oh, il est canon, ce type. Regarde, Miss Sympathie. Voilà la petite aveugle. Charlie. Elle est dans tous ses états, celle-là. Qu'est-ce qui t'arrive, ouais, Charlie? Je me sens mal. Pourquoi? Allez, qu'est-ce qui se passe de là. Sébastien est parti. C'est fini entre nous. Comment ça, c'est fini? Tu veux dire que Sébastien t'a quitté, c'est ça? Non, il ne m'a pas quitté. Je l'ai quitté, moi. Non, je l'ai pas quitté. Je lui ai juste rendu sa vie. La vie qu'il méritait. Calme-toi et explique-moi. Sébastien n'appartient pas à cette jungle. Je ne pouvais pas le laisser vivre dans cet endroit où il n'a pas d'avenir. Ça aurait été trop injuste pour lui. J'ai préféré qu'il parte parce que sinon, tôt ou tard, il m'aurait regretté d'être resté. Il aurait fini par me haïr. Et ça, je n'aurais pas pu le supporter, Maria. Ça, non. Ah, j'imagine ce que tu ressens, Charlie. J'imagine. Mais ne t'en fais pas. C'est que... Maria, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que... Maintenant, il se trouve que... Que je suis enceinte! Que je vais avoir un enfant de Sébastien, Maria! Chérie. Azunta, excuse-moi auprès de mes patients, s'il te plaît. Aujourd'hui, je ne compte recevoir personne. J'imagine que tu as passé une bonne soirée. Avec la fille avec qui tu es sortie hier soir. Maruja, Je sais pour ton frère. C'est pour ça que je suis venue. Du fond du cœur, j'espère qu'il va vite se remettre. Et quant à la fille avec laquelle tu es sortie hier soir, ben, tu n'as pas à me donner d'explication. On est presque séparés. Et dans les faits, presque divorcés, puisque tu m'as déjà trouvé une remplaçante, non ? Maruja, oui, on est presque divorcés, c'est vrai. Mais Maruja, ce presque indique qu'on a encore des tonnes de choses à résoudre tous les deux. Bien sûr, tout ce qui touche à la maison, au bien, dommage que les mots ne se partagent pas, Juancho. Et qu'il n'y ait pas une clause spéciale pour toutes les angoisses, les insultes et les humiliations. Au final, c'est ce qui va me rester vraiment de cette dissolution conjugale. Maruja, ça va. Si on est sur le point de divorcer, ce n'est pas parce que je l'ai décidé. Oui, Juancho. Écoute, on ne va pas commencer. Non, on ne va pas se disputer. Tu as mon feu vert pour refaire ta vie avec ta nouvelle maîtresse. Et moi, pour refaire la mienne.
parce que je te jure que tu vas sortir de ma vie d'une manière ou d'une autre, Juancho Gabaldon. Je te le jure. Infirmier, s'il vous plaît. Aidez-moi. Marudia, il faut qu'on parle. Il faut que tu m'écoutes, Marudia. Juancho, que veux-tu? Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Je crois que toi et moi, on s'est tout dit. On a encore des tonnes de choses à se dire, Marudia. Mais vu les circonstances, je voudrais te demander, s'il te plaît, qu'on ne se dispute plus. La tension de Sébastien, tout ce qui est arrivé, je voudrais te demander, s'il te plaît, de te calmer un peu, de me soutenir un peu. Ne nous disputons pas. Je voudrais, Marudia, que toi et moi, qu'on soit plus disponibles pour... Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Juancho? Hein? Qu'est-ce que t'as? Mon frère va mal. Voilà ce que j'ai, mon frère va mal. On vient de me confirmer que c'est grave. On s'attend au pire, tu sais. On ne sait pas s'il va s'en sortir. On ne sait pas s'il va s'en remettre, survivre, si... Là, tu vois... Là, ne me parle pas comme ça. Juancho, pardon. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi d'avoir dit toutes ces idioties. Excuse-moi, Juancho. Excuse-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Mon amour. Pardon. Mon amour. Oh, tu vois? Tu vois, Corinna? C'est ce qui arrive quand on fréquente des hommes mariés, hein? Qu'est-ce que tu croyais? Normal, Corinna, n'est-ce pas? Ce type est marié, tu le vois bien. Il est accroché à sa femme. Non, 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 mais c'est bien fait. Bien fait. Et si tu en veux encore, tu peux te trouver un homme marié avec 7 enfants. Oui, ce serait bien. Il ne te manquerait plus que ça, hein. Ça, tu l'as pas encore fait, Corinna Pereira. Docteur? Hein? Dites-moi, allez-y, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien? Qui, moi? Non, 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 moi, non. Pourquoi? Parce que vous parliez toute seule. Moi, je parlais seule? Non, pas du tout. Écoute, le patient de la 208 a passé tous les examens, comme je l'avais dit. Non, docteur. Comment ça, non? Allons voir. Vous sortez, toi? Comment tu as su pour le travail? Parce que je sache, je n'ai pas mis de petite annonce. Non, non. En fait, Attilio, j'ai brisé ça d'une manière étrange. Je marchais dans la vallée, là-bas, de l'autre côté du fleuve, vous voyez lequel, hein, mm-hmm. Et j'ai vu vos hommes qui étaient en train de chercher quelqu'un et, ou quelque oui, chose. Oui, bien alors, sûr. Bon. Et cet homme, ça n'était pas toi, évidemment. Non. Enfin, monsieur Attilio, je suis juste un paysan qui recherche du travail. Comme vos hommes m'ont dit que vous embauchiez, ben, me voilà. Écoute, la seule chose qui penche en ta faveur... C'est que mes hommes ne t'ont pas tué. Et ça doit bien être pour quelque chose. Va-t'en, te ferai appeler. Écoutez, je vous remercie de tout ce que vous faites pour moi, parce que vous savez que dans cette jungle, c'est pas très facile de trouver du travail, et j'en ai vraiment besoin. Et en plus, ce serait un honneur pour moi de travailler pour le maître de ces terres, hein. Alors d'avance, merci beaucoup, les gars, et avec votre permission. C'est ça, au revoir. Bonne ou mauvaise recrue, patron? Fais des recherches sur Riquet. Et si tu trouves des choses louches, ne me stresse pas. Liquide-le. Fais-le disparaître. S'envoler, mais ne me stresse pas. Ouais. Pardonne-moi, mon bébé. Je sais que tu as le droit d'avoir un papa et qu'il a le droit de te connaître. Mais je l'aime trop pour le retenir dans cette jungle. Je l'aime trop pour le priver de ses rêves. Et oui, ça me consume de l'intérieur parce que c'est ton père et que je ne vais pas pouvoir te partager avec lui. Mais je sais qu'un jour, tu me comprendras. En attendant... Je vais te parler de lui tous les jours, de ses folies, de sa gentillesse et de ses éclairs de génie. Je te dirai que c'est un homme bien, qui m'a aimé quand il vivait ici. Il m'a tellement aimé
tellement, tellement qu'il t'a laissé avec moi pour que tu me tiennes compagnie sans même le savoir. Avec des gens pareils, je vais avoir le boulot, c'est sûr. Comme si je ne doutais pas qu'ils allaient me suivre pour enquêter sur moi, imbécile. On va voir ce que tu caches dans cette porcherie. Charlie, ça suffit. Tu as décidé que c'était pour le mieux. Tu étais clair sur le fait que tu ne pouvais pas laisser Sébastien gâcher sa vie ici, dans cette jungle. Alors stop, Charlie. Stop. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, Charlie. Ne te laisse pas aller. Il faut que tu sois bien. Parce que maintenant, ton enfant dépend de toi. Et rien que de toi. Alors, Charlie, recommence à zéro. Tu recommences à zéro. Tu dois te sortir, Sébastien, de la tête, peu importe comment. Pour le bien de ton enfant. Tu ne peux pas mourir d'amour pour lui, Charlie. Seba, ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Mon amour, comment cela a-t-il pu arriver, mon chéri? Il faut que tu fasses un effort et que tu te réveilles, tu m'entends? Parce que sinon je vais mourir de te voir comme ça. Allez, mon amour, je t'en prie. Je te jure que ça va aller. Je ne te laisserai pas seule. Et quand tu te lèveras de ce lit, Sébastien, tout va être différent. Parce que je t'aime. Et mon amour va tout résoudre. Tu vas voir que oui, mon amour. Sébastien, mon amour, Charlie. Je suis là avec toi. Charlie, je t'aime, Charlie. 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 Je t'aime, Charlie. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor. Palabras que solo sabe el corazón. Palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor. Palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo muero por ti. Y nada que responder a tanta inspiración. Yo que con mirarla ya pierdo.